Aujourd'hui, on va faire un petit Get Ready With Me, parce que bah pourquoi pas. C'est parti. I've been waiting for a day like this to come struck like lightning. My heart's beating like a drum on the edge of something wonderful. Face to face with changes, what's it all about? Life is crazy, but I know I can work it out. 'Cause I got you to live it with. En même temps, on va un peu blablater. Moi, déjà, c'est mouillé par terre. Tapis mouillé. Faut que je change, donc faire des transitions. Voilà, c'est tout. Je remets ma veste parce que. Un peu frisquette. Voilà. Bah, je commence par me brosser les dents. Comme ça, après, j'aurai la. À bouche libre pour parler parce que ça a été un peu compliqué sinon de parler en même temps que se brosser les dents. Donc, pas bonne musique parce que pas qu'on s'ennuie ici. Hein. Non. L'instant karaoké est terminé. Je vais à présent assouiller à la petite lavabo avec un petit chiffon. Pour le garder propre, quoi. Pour pas que ça laisse du calcaire. J'allais dire tartre, mais le tartre c'est pour les dents. Pas la même chose. J'utilise pas trop un chiffon pour enlever le tartre. Et voilà. Maintenant, on passe à la partie la plus longue, qui est à le lissage de la chevelure. J'ai un repas tenu aujourd'hui, donc j'ai besoin d'être présentable. Alors, je pourrais être présentable comme ça, mais ça n'a pas été mieux. Donc, voilà. En attendant que ça chauffe, qu'est-ce qu'on peut faire? Où ça va tomber? Non, ça tient, parfait. En attendant que ça chauffe, j'ai mis de l'eau sur mon écran. Voilà, et bien ma foi, je pense qu'on peut commencer à relater un petit peu. Déjà au mois de septembre, j'ai envie un peu d'en parler. Il se passe super bien. Voilà, je suis très très content de ma rentrée, de ce que j'ai pu faire tout au long de mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Parce que là aujourd'hui on est le 24 septembre. Et dans une semaine, jour pour jour, on est en octobre. Donc c'est passé vite. Il s'est passé vite, en même temps il s'est passé plein de choses. J'ai fait une rentrée très particulière. J'ai pas clôturé mais ouvert la saison 3 d'un travail vlog. J'ai fait deux événements de danse, The Faculty et Avant Galaxy, qui étaient tous les deux incroyablement génial. J'ai fait des vidéos aussi sur ces deux jours-là, donc si vous les avez pas vues, vous allez les voir. Et puis même moi, genre intérieurement, enfin, en tant que personne, je me sens super bien. Je ne suis pas stressée quand je me lève tous les matins. J'ai pas la boule au ventre. C'est un réel plaisir de me lever tous les matins. Et je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que je sais que c'est pas dans toutes les familles, c'est pas partout où on peut faire ce que je fais. Donc franchement, je suis trop content. J'avance tranquillement sur mon projet d'auto-entrepreneur aussi. J'ai pas fait beaucoup d'updates dessus récemment parce qu'il se passe pas grand chose de très passionnant. Enfin, j'ai rien de très très concret, très passionnant à vous transmettre et à vous apprendre. Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud. On va commencer à se laisser les cheveux parce que sinon ça va prendre un moment. Ah, oh, j'aurais dû me les attacher. Oh, tant pis. C'est pas grave. Ce sera un petit peu à la flemme sans vraiment être à la flemme, mais on fait avec.
Et du coup, ouais, franchement, mon mois de septembre se passe super super bien. J'espère que pour vous aussi. Dites-moi un peu, que ce soit dans l'espace commentaire ou autre, comment se passe votre mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des points positifs, les points négatifs, les highlights de votre mois de septembre aussi. Les highlights, c'est les moments forts, quelque sorte, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est. Ça m'intéresserait de savoir qu'on papote un petit peu entre nous. À la base, cette vidéo, ça devait être un truc où je réponds à vos questions parce que j'ai fait un post sur Instagram. Mais ça n'a pas super bien marché cette fois-ci, donc... Mais c'est pas grave du tout. Hein. C'est les risques. Je suis pas non plus la personne la plus influente et la plus connue du monde. Donc forcément, je sais très bien que quand je fais ce genre de choses-là, il y a une chance de que ça marche. Et là, cette fois, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave du tout, parce que du coup, au moins maintenant, là, ça me donne l'opportunité de parler librement de ce que j'ai envie de parler. Ceux qui sont intéressés, ils regardent. Ceux qui sont pas intéressés, ils regardent pas. Et voilà, tout le monde est content. Du coup, pour en revenir un peu à mon projet d'être auto-entrepreneur, ça avance plutôt bien, tranquillement mais sûrement. Voilà, voilà. Là, ce qu'on a fait récemment avec ma maman, c'est qu'on s'est renseigné sur les prix des machines. Voilà, de machines que j'aurais besoin. J'aurais potentiellement besoin pour faire ce que je veux faire, pour avoir un peu une idée d'ordre de prix et pour qu'on puisse poser. On m'interrompt pas pendant que je parle, s'il vous plaît, merci bien. Commencer du coup à regarder les prix pour les machines juste pour avoir une ordre d'idée du coup, pour savoir un peu ce qui existait comme modèle, ce qui était plus intéressant, le plus pratique, en fonction de nos critères et de ce que nous on cherche et de ce qui nous intéresse nous. Là, lundi, bah, du coup, demain, j'ai un rendez-vous, mon premier rendez-vous à Pôle emploi, voilà. Je me suis principalement inscrit à Pôle emploi pour avoir des aides, en fait, par rapport à mon projet d'auto-entrepreneur et pas mon entreprise, etc. Enfin, mon entreprise, c'est un grand mot, mais parce que je suis mineur encore, donc ce sera pas vraiment mon entreprise à 100% tant que je suis mineur. Vous voyez le truc, quoi. Faut que j'arrête de lisser 45 fois le même endroit, faut que je change un peu le masque. Il y a des endroits de ma tête où ça va pas du tout, mais moi je lise toujours le même endroit. Ma foi. Pourquoi pas, hein ? Du coup, lundi, rendez-vous Pôle emploi. Surtout pour savoir quelles aides on peut avoir, s'il y a des ateliers auxquels on pourrait assister, pour en apprendre un peu plus sur comment bien gérer une autre entreprise, la compta, enfin les choses un peu chiantes qu'il faut apprendre, quoi, la partie un peu chiante du truc. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ce rendez-vous-là. Ça fera une étape en plus de fête, quoi. Ça, c'est pour mon projet auto-entrepreneur. Sinon, pour la danse, bah, ma foi, ça se passe très très bien aussi, voilà. Je suis toujours super reconnaissante, vraiment. Enfin, là, les deux événements que j'ai fait en septembre. On m'aurait dit il y a un an que je ferais les deux événements que j'ai fait en septembre. J'aurais pas cru une seconde. Je me dis, fous-toi bien de moi. C'est vraiment le week-end de la Mangalaxy, la performance que j'ai faite, c'est vraiment un de mes plus grands rêves qui s'est réalisé. C'est encore irréel. Même quand je regarde les vidéos de cette journée, vraiment c'est fou pour moi de dire bah, je l'ai fait en fait. Vraiment je l'ai fait. Et c'est ce genre de choses-là qui donne vraiment genre, confiance en moi et qui me redonne de l'espoir en fait. Genre vraiment ça me booste à fond pour me dire bah, j'ai fait ça. Et c'est faisable, genre, je l'ai fait. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas refaire à l'avenir ce genre de choses là. Donc franchement, je souhaite à tout le monde, peu importe le milieu, le domaine ou quoi que ce soit, d'avoir un peu cette lueur d'espoir, aussi de la garder, de faire ce qu'il faut pour la garder. Parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on tient la route, qu'on lâche pas malgré les murs qu'on se mange. Passer à l'autre côté, parce que c'est bien de laisser qu'un côté de ma tête. Mais l'autre côté de mes cheveux aussi. Surtout celle-là, la mèche de devant, c'est toujours celle qui boucle le plus. C'est un truc de dingue. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai pas les cheveux naturellement lisses, hein, donc c'est normal que ça frise. Mais vraiment, autant, c'est aberrant, quoi. J'ai parlé de l'auto-entreprise, de la danse. On va parler un peu de YouTube aussi, parce que c'est un sujet très essentiel pour ce mois de septembre, parce que je fais la saison 3 déjà de la rentrée des vlogs. Je suis très très content pour l'instant de cette saison, même si on est déjà à la moitié. Un peu triste. Cette rentrée, vraiment, j'en garderai vraiment de très bons souvenirs. Parce que ça a été la découverte de plein de choses, de l'apprentissage de plein de choses, que ce soit des connaissances ou sur moi-même ou sur des expériences, etc.
Et puis je suis super content de tous les épisodes que j'ai pu sortir jusqu'à ce jour-là, parce que c'est les épisodes que j'ai fait avec le cœur. Oh, je vais le générique aussi. Je suis trop content du générique. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'à vous aussi il vous plaît, bien évidemment, parce que c'est vous qui regardez les vidéos ce soir aussi. Puis j'ai énormément de soutien de mes amis aussi sur cette saison 3, donc franchement, que du plus pour l'instant, et je suis super content. J'ai l'impression, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je lis le même endroit 46 000 fois. C'est peut-être juste une impression, mais elle a l'air bien réelle cette impression. Aïe, oh, ça fait mal. Voilà pour YouTube, et puis bah, sur le plan personnel, santé mentale, etc. Ça fait un moment que je ne me suis pas sentie aussi bien. Là, je me sens mais, super bien, je suis fière de moi, je suis heureux, j'ai aucun regret, je surpense pas les choses, je m'endors pas tous les soirs en chialant, j'ai pas l'impression que tous les jours je vis un enfer. C'est un énorme contraste par rapport à la rentrée d'il y a un an. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça m'arrive parfois de regarder mes anciennes vidéos, surtout par rapport à rentrée des vlogs, etc. Pour un peu voir une évolution, quoi. Vraiment, le contraste entre cette saison et la saison 2, c'est un truc de dingue. Genre vraiment, j'ai l'impression que je regarde deux personnes différentes. Déjà, j'avais pas fait la magnifique décision de me lisser les cheveux. Qu'on se le dise. En vrai, me lisser les cheveux, je pense que si j'étais resté au lycée et tout, je l'aurais jamais fait. Parce que ça voudrait dire que... ou alors pas avant, en l'été ou un truc du genre. Parce que ça veut dire que du jour au lendemain, genre j'arrive avec une nouvelle tête. Et j'étais pas prêt pour que les gens y soient là en mode... Il y a un truc qui a changé sur ta tête. Genre, mentalement, j'aurais jamais été prêt. C'est la meilleure décision capillaire que j'ai pu prendre de toute ma vie. Je sais pas pourquoi on me l'a pas dit plus tôt et pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. J'ai gâché de nombreuses années de mon existence à essayer de faire une coupe de cheveux que je voulais faire alors que j'avais juste à prendre un petit lisseur et à faire ça quoi. L'essentiel c'est que je l'ai fait et que j'en suis très content. Parce que c'est magnifique même si ça fait pas toujours ce que je veux que ça fasse. Bon, ça avec mes cheveux, je commence à avoir l'habitude. Hein, ils aiment bien être un peu trop rebelles. Là je commence un petit peu à m'égarer donc on revient sur le droit chemin. Au niveau santé mentale, vraiment, genre j'ai fait un immense glow-up, mais je suis super fier de moi. Je suis encore un peu suivi par ma psy quand même, mais on a beaucoup plus d'espace et d'essence du coup, parce que là ça va beaucoup mieux, j'ai pas de problème ou quoi que ce soit. C'est juste si jamais il se passe quelque chose, bah c'est bien d'avoir une séance quoi, si jamais il y a un truc qui s'est passé. Ma psy du coup me dit vraiment genre, on voit l'évolution et... Parce que forcément elle a tout suivi de A à Z. Et elle voit vraiment que déjà, même moi, genre constatation personnelle, je sais qu'à chaque fois, pendant un long moment, quand j'allais chez la psy, quand je rentrais dans la salle, j'avais les jambes qui tremblaient un petit peu. Pas un truc de fou, mais genre j'étais vraiment très stressée. Alors que là maintenant, aujourd'hui, bah, c'est un peu genre comme si j'allais voir mes meilleurs amis et qu'on discute de tout et de rien et qu'on se lâche un peu nos sacs quoi. Donc franchement, rien que déjà juste ça. Ressenti sur cette séance-là a vraiment changé. Non, c'est beaucoup plus agréable d'aller faire mes séances. Que du plus vraiment pendant ce mois de septembre, j'en suis hyper fière. Il n'est pas encore fini, évidemment. Et voilà, je suis très très content de mon mois de septembre jusqu'à maintenant. Et j'espère que, encore une fois, que pour vous aussi, votre mois de septembre se passe super bien. Et je souhaite évidemment bon courage à toutes les personnes pour qui, bah, comme moi, c'est... pas forcément facile de retourner dans un établissement scolaire pour x ou y raison. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage, tenez bon, et si jamais vous avez besoin de vider votre sac ou quoi que ce soit, mes DM sur Insta sont grand ouvert, donc n'hésitez pas quoi. Bon voilà, pour mes cheveux je pense que c'est le mieux, je pourrais pas faire mieux aujourd'hui, très clairement. C'est pas moche, mais ça pourrait être mieux, donc bon. On va s'en arrêter là pour l'instant et puis on va fignoler mon Get Ready With Me. Et puis bah, on pourra finir cet épisode. Pour fignoler tout ça, je vais prendre une petite crème hydratante de Nivea. C'est la fameuse crème que je mets pas souvent. En même temps, c'est entre 48 heures. Donc ça sert à rien non plus d'en mettre tous les jours. Mais 48 heures, c'est 2 jours. Et là, ça fait... bien plus que 2 jours que j'en ai parmi. C'est un peu le seul produit de skincare que j'utilise vraiment. D'ailleurs cet épisode c'est un peu un épisode genre de dernière minute et je m'en excuse.
parce que bah déjà la qualité de cette vidéo pourrait être bien meilleure. Mais j'avais bien envie de tester ce format là. Ben, 4,8 minutes en même temps blablate, parce que il me semble pas que j'en ai déjà fait un. Enfin en tout cas genre vidéo 100% comme ça quoi. J'ai déjà fait des passages mais jamais une vidéo complète. J'avais bien envie de tester ce format là. Et puis c'était vu le cas, enfin on est dimanche et c'est littéralement la fin de la semaine, l'épisode est toujours pas sorti. Donc mais moi j'aime plutôt bien, donc dites-moi si vous aussi ça vous intéresse ce nouveau format. Parce que moi j'aime plutôt bien, voilà, faire un petit update de ma vie, de mon mois de septembre, qu'on blablate un peu, à cœur ouvert. Là j'ai assez hâte quand même pour la semaine prochaine parce que j'ai déjà des petites idées de vidéos étant donné qu'on va arriver sur la période d'octobre et donc sur ma saison préférée de l'année qui est l'automne. J'ai des petites idées de vidéos par rapport à ça, donc j'ai hâte de vous filmer tout ça, de commencer à préparer tout ça. Ce sera l'avant-dernière semaine de rentrée des vlogs. J'ai remarqué un truc aussi, à chaque fois je dis j'apprends pour tout le mois de septembre, mais à chaque fois je déborde sur la première semaine d'octobre. Parce que bah, ça ferait que 8 épisodes et pas 10. Mais bon, enfin je pense pas que grand monde l'ait remarqué. Et bien voilà, ma foi, je suis tout prêt pour mon petit repas de famille. Voilà, juste me bronzer les cheveux un petit peu. Et puis ma foi, bah, je pense que je vais pouvoir arrêter l'épisode ici. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé tester ce nouveau format. C'était super fun. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour les prochains épisodes. Bisous.